tout le monde, c'est Chris Serge, j'espère que vous allez bien, donc ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 5 pour parler du chapitre 6 dans la jungle qui sortira le 6 février, donc un jeudi. Donc pour le chapitre, on aura donc une nouvelle carte qui s'appellera les îles Salomon. Pour le contexte historique, cette campagne va se dérouler entre 1942 et 1945. La carte donc s'en va être assez linéaire, on a 5 points qui vont être disposés en 5 2D et qui vont tout simplement forcer les combats sur le point central. Alors du côté américain, on va retrouver un biome de style plage, au milieu donc ça va être un biome village champilotis sur une rivière. Et enfin du côté japonais, ça va être une forêt donc assez dense, jungle tout simplement. On va pouvoir s'attendre à pas mal de petits bunkers et quelques tunnels, je pense, à voir ce que ça va donner d'ici quelques jours. Au niveau des armes, on aura donc 3 nouvelles armes. Donc on aura la carabine M2 qui n'est autre qu'une amélioration de la carabine M1 qui est déjà connue sur Battlefield 5. Donc cette arme est apparue donc à la fin de la guerre, c'est une arme automatique, elle possède un chargeur de 30 coups contre les 15 du M1 carabine. Et elle a une cadence qui s'élève à peu près à 750 coups minute. Elle sera donc disponible uniquement pour la classe assaut à partir du rang 25 du chapitre. La deuxième arme sera tout simplement la mitrailleuse type 11, donc une arme japonaise inventée bien avant la deuxième guerre mondiale. Elle va posséder donc une cadence de tir de 500 coups par minute et des chargeurs de 20 ou 30 cartouches, ça dépendra laquelle de version va nous proposer DICE. Pour débloquer l'arme, il faudra donc être rang 10 du chapitre et jouer tout simplement soutien. Enfin, donc la troisième arme qu'on n'a pas forcément vue dans le trailer, ou alors très rapidement, enfin on l'a vue mais elle pourrait être confondue avec d'autres modèles de fusil à pompe dispo pour le soutien, c'est le modèle 37 shotgun qu'on appelle autrement l'Itaka 37. Donc vous l'aurez compris forcément, c'est un fusil à pompe qui possède donc une capacité de 4 cartouches et il sera donc une fois de plus disponible uniquement pour le support qui pourra le débloquer au rang 15 du chapitre. On retrouve donc deux nouveaux gadgets. Le premier donc sera le célèbre bazooka, donc c'est un lance-roquettes américain qui dans la logique possède 5 fois plus de portée et qui est tout autant précis que le Panzerfaust. Ça permettra peut-être d'avoir comme sur Battlefield 4 3 lanceurs polyvalents, exemple le Piat qui ressemblerait un peu au Sro et qui permettrait des tirs moins directs, le Panzerfaust qui équivaut au RPG et permet de faire de plus gros dégâts mais qui possède une moins grande portée et précision, et enfin le bazooka qui pourrait être l'équivalent du Smo, plus précis, avec une plus grande portée, mais faisant un peu moins de dégâts que son prédécesseur. Du coup, il faudra donc être rang 20 du chapitre et jouer la classe assaut pour pouvoir débloquer ce gadget. Le second gadget, donc ça fait bientôt 4 mois qu'on l'attend, on l'a vu dans pas mal de thrillers, pas mal de teasers, enfin un paquet de trucs de DICE, ce n'est autre que la lance explosive. Donc j'ai pas forcément besoin de vous faire un dessin, c'est un bâton auquel les japonais ont fixé une charge explosive. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a vraiment existé. Donc elle pouvait percer n'importe quel blindé américain. Son potard était donc bel et bien un kamikaze et son usage s'est étendu à la guerre du Vietnam. À mon avis, ça va risque d'être un gadget qui one-tap les chars par l'arrière, de ce qu'on a pu voir donc, dans le thriller. Le porteur donc, ne meurt pas mais se fait coucher par l'explosion comme s'il avait pris une V2 ou alors un relais qui aurait explosé pas loin. Et il va perdre tout simplement quelques petits points de vie, en fait, ça le one tap pas quoi. Donc pour débloquer l'arme, enfin le gadget pardon, il faudra être en 5 du chapitre et jouer soit assaut, soit soutien. C'est un gadget qui va être polyvalent pour deux classes, c'est assez cool, sachant que le soutien, je trouve qu'au niveau gadget, il est pas terrible quoi. Et on va avoir donc l'apparition de 3 nouveaux soldats d'élite, donc 2 japonais et 1 américain, et de pas mal de cosmétiques. Donc je vous laisse la full liste du chapitre pour avoir un aperçu. En attendant, on va s'arrêter là, je vous invite à mettre un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous donne rendez-vous le 6 février pour découvrir ce nouveau chapitre.